C'est un fruit très apprécié en Côte d'Ivoire, mais beaucoup ignorent les conditions de son mûrissage. La banane douce, cette mûrisserie située dans la commune d'Abobo, approvisionne tout le nord-est du district d'Abidjan. Il s'agit de reproduire le processus naturel de maturation, une étape qui se déroule en 4 à 6 jours. Les bananes sont placées dans des chambres de mûrissage où la température est remontée et stabilisée entre 16 et 18 degrés Celsius. Ce sont environ 475 caisses qui sont enfermées dans cette mûrisserie, nous explique Traoré Karim. Ce bâtiment a été fait pour un truc de chambre froide, pour qu'on puisse mettre les fruits dedans pour mûrir et puis vendre. Bon, maintenant, ce que nous on prend, on a les grossistes, maintenant nous on donne ça aux détaillants pour pouvoir vendre, pour qu'ils puissent avoir pour nous, pour nous aussi puissent avoir pour nous. Mais s'il y a une durée, si ça dure trop dans la chambre, ça pourrit. Il faut qu'on libère rapidement pour qu'on puisse se retrouver. Mais c'est un travail qui est très difficile. Très, très difficile. C'est des risques qu'on prend. On peut gagner, on peut perdre. Donc, quand on a la chance de gagner, on gagne. Quand on n'a pas la chance de gagner, on perd tout. On perd la marchandise parce que quand c'est pourri, là, quand c'est gâté, on ne peut pas la vendre. On est obligé d'aller jeter. Donc, ça, c'est une perte pour nous. Pour le responsable et même pour nous, les détaillants aussi. Actuellement, vous voyez, c'est posé là. C'est par rapport au manque de clients que ça est actuellement. Elles sont obligées de détailler pour vendre. Mais quand il y a des clients, ça ne reste pas là, ça s'en va. Une fois hors de ce bâtiment, ces bananes douces sont vendues aux détaillants sur le marché. Les gens aiment, ils achètent. On vient prendre en gros ici pour aller vendre, pour mettre pour nous dessus aussi pour pouvoir vendre. Est-ce que tu vois que ça marche? Bon, en tout cas, ça marche. Mais c'est cher. Nous, on prend la cher. Avant, le cas, c'était 2000. Maintenant, ils ont augmenté, c'est devenu 2500. Avant, on vendait 4 à 200. Maintenant, on vend 3 à 200. C'est cher. Parce que c'est cher ici. Nous, on prend beaucoup, c'est devenu 2500. Donc, nous, on est obligé aussi d'enlever un dessus pour qu'on puisse gagner aussi. La banane douce représente 2% du produit intérieur brut selon le Conseil national de lutte contre la vie chère. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang du classement en Afrique avec 410 000 tonnes de production.